Les nuits bretonnes sentent la poudre. L'armée révolutionnaire bretonne frappe les symboles de ce qu'elle nomme l'État colonial. Impôts, gendarmerie, le FLB en a assez. Certains ont envie de frapper fort. Le 25 juin 1978, deux membres de la Quévraine de Rennes se glissent parmi les visiteurs du château de Versailles et déposent les explosifs derrière un buste de la galerie des batailles. Petit matin, la revendication tombe. L'attentat a été commis par les soldats de l'ARB. Le peuple breton est opprimé, la Bretagne occupée, sa langue niée.